J'espère que vous allez bien. Hop, je vais baisser un peu le son du feu qui est derrière. Je sais pas si vous allez l'entendre, à vrai dire. C'est pas très très grave. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit quiz que je vous ai préparé sur mes petites feuilles. Donc c'est un quiz de 20 questions. N'hésitez pas à la fin du quiz, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre note sur 20, ça m'intéresse énormément. Sachant que ça va être un quiz assez difficile, sincèrement, là j'ai peut-être un peu abusé. Donc on va voir, et puis en fonction, je ferai quelque chose de plus facile pour les prochains quiz, sachant que la difficulté réside aussi par le fait qu'il n'y a pas, en fait, que vous n'allez pas avoir plusieurs réponses possibles, d'accord. Donc ça va rajouter vraiment une grosse difficulté. Et si vous êtes prêt ou prête, je vous souhaite bonne chance pour ce quiz. Donc ça sera sur plusieurs thématiques. Alors on va commencer avec une plutôt simple, on va dire, si vous connaissez l'ASMR, voilà. Alors, première question, que signifie l'acronyme ASMR? Que signifie l'acronyme ASMR? Je vous laisse 15 secondes à peu près pour réfléchir. Que signifie l'acronyme ASMR? Normalement, en vrai, ça devrait être bon pour pas mal de personnes. Ça commence tranquille. Alors, je vais vous dire la réponse. Alors, la réponse, c'est... Alors, je le savais, bien sûr. Autonomous Sensory Meridian Response. Autonomous Sensory Meridian Response. Et une définition que j'ai pu trouver sur Internet. L'ASMR est un phénomène sensoriel qui déclenche une sensation de picotement agréable en réponse à des stimuli auditifs ou visuels. Félicitations si vous avez pu répondre correctement. On va passer maintenant à la deuxième question. Géographie, cette fois-ci. Alors, deuxième question. Quel est le plus grand océan du monde? Je répète, quel est le plus grand océan du monde? Quel est le plus grand océan du monde? Si vous êtes calé en géographie, normalement ça devrait être simple. Alors, la réponse est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. L'océan Pacifique est le plus grand océan de la planète, couvrant plus de 63 millions de kilomètres carrés. Il s'étend de l'Asie à l'Amérique et abrite la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans. Félicitations pour ceux qui ont eu bon à cette question. Et maintenant, on va passer à la troisième question, plutôt simple. Alors, troisième question.
Avec environ un tiers de production de la production mondiale, grâce à son climat et ses vastes terres agricoles. Là, si vous avez déjà les trois premières réponses, franchement, félicitations. C'était peut-être les trois questions les plus faciles, mais déjà, c'est très très bien, donc je vous félicite. Et on va continuer avec la quatrième question qui peut être un peu plus compliquée. Quatrième question. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Je répète. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Pas hyper simple, ouais. Chapelle Sixtine. Sixtine. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Je peux vous donner un petit indice. Le plafond a été peint entre 1508 et 1512. Je pense que là, vous avez un très très gros indice. Alors, la réponse est Michel-Ange. Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine entre 1508 et 1512, une œuvre monumentale et un chef-d'œuvre de la Renaissance. Si vous n'aviez pas la réponse, ce n'est pas grave, ce n'était vraiment pas simple. On passe à la cinquième question. Oh là, c'est plus simple. Normalement, vous pouvez le savoir. C'est parti. Cinquième question. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Je répète. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Système solaire avec un diamètre de 142 984 km. C'est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium. On continue. Si vous avez réussi les 5 premières questions, franchement, un grand grand respect. Ça vous fait déjà 5 sur 20. On continue avec la sixième question. Dans quelle ville se trouve la plus ancienne bibliothèque publique en activité dans le monde? Je répète, dans quelle ville se trouve la plus ancienne bibliothèque publique en activité? Cherche la plus grande bibliothèque en activité dans le monde. Pas facile. La réponse, c'est au Maroc et plus précisément
exact, je vais, ça va être compliqué. C'est à Al-Gharawizin, la bibliothèque de l'université Al-Gharawizin à Fès, au Maroc, fondée en 859, est la plus ancienne bibliothèque publique encore en activité. On continue avec la septième question. Je vais un petit peu accélérer parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Quelle est la langue maternelle d'Élisabeth I, reine d'Angleterre, à part l'anglais? Bien sûr, elle parle anglais, mais elle a une autre langue maternelle. À toi de me la citer. Je répète, quelle est la langue maternelle d'Élisabeth I, reine d'Angleterre, à part l'anglais? La réponse est le latin. Élisabeth, une d'Angleterre, maîtrisait plusieurs langues, dont le latin. Elle l'apprit dès son jeune âge, ce qui était courant pour la noblesse de son époque. Le latin était alors la langue de l'Église, de la diplomatie et des sciences. On continue avec la huitième question. Quel jeu de la série Resident Evil, introduit pour la première fois le personnage de Léon S. Kennedy? Alors, avide aux gamers cette fois-ci. Quel jeu de la série Resident Evil introduit pour la première fois le personnage de Léon S. Kennedy? La réponse est Resident Evil 2. Léon S. Kennedy fait sa première apparition dans Resident Evil 2, où il est un nouveau policier de Raccoon City, pris dans une épidémie de zombies à son premier jour de travail. C'est pas facile, je vous ai dit. Sport maintenant. Question numéro 9. Un vidéo sportif. Quel est le coureur cycliste avec le plus de victoires d'étape au Tour de France? Je répète. Quel est le coureur cycliste avec le plus de victoires d'étape au Tour de France? Je vous répète une dernière fois la question. Quel est le coureur cycliste avec le plus de victoires d'étape au Tour de France? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Pendant ce temps, je vais faire du bruit avec quelques trigger. Et Mark Cavendish. Cavendish a dépassé le record de 35 victoires d'étape en 2021, un record détenu auparavant seul par Eddy Merckx. On passe à la dixième question. Quel est le premier joueur à avoir été désigné meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA deux fois? Je répète, qui est le premier joueur à avoir été désigné
meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA deux fois. Je répète une dernière fois. Qui est le premier joueur à avoir été désigné meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA deux fois? Et le Brésilien Pelé. Pelé a été désigné meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde 1958 et 1970, un exploit unique dans l'histoire de la compétition. Allez, 11e question. Quel pays a été le premier à accorder le droit de vote aux femmes en 1893? Alors là, c'est pas simple du tout. Faut vraiment avoir une bonne connaissance en histoire pour savoir cela, je pense. Je répète la question. Quel pays a été le premier à accorder le droit de vote aux femmes en 1893? Je vous ai dit, c'est pas des questions faciles, mais au moins vous allez apprendre des choses, je pense. C'est pas facile. Alors, la réponse est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes, leur permettant de voter lors des élections de 1893. Qui a été le premier homme à réussir? Je refais. Qui a été le premier homme à réussir un saut à la perche de plus de 6 mètres? Un saut à la perche de plus de 6 mètres. Mais c'est qui a fait le premier, qui a été le premier à réaliser cet exploit? Pas facile. Je peux vous dire que celui qui a plus de 18 sur 20 à ce quiz, je le respecte éternellement. C'est quasiment impossible. Hein. C'est très très dur. Alors, la réponse est Sergei Bubka. Sergei Bubka était le premier à franchir la barre des 6 mètres en 1985 et détient plusieurs records du monde. Continue avec la 13e question. Quel pays a été le premier à abolir la peine de mort en 1846? 1846, c'est la date où, pour la première fois, un pays a aboli la peine de mort. Mais ce fut quel pays? Pas facile du tout, encore une fois. Celui qui a la bonne réponse, là, faudra se poser des questions. Alors. Réponse. Venezuela. Ouais, c'était pas facile, celle-là. Alors, c'était... Ouais, ok. Moi, j'ai pas besoin de vous donner plus d'informations. Alors, question 14. Bon, c'est plutôt simple. Quelle est la capitale de l'Islande? L'Islande, quelle est la capitale de l'Islande? Quelle est la capitale de l'Islande? Quelle est la capitale de l'Islande? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est, alors désolé de mon accent, c'est pas facile à prononcer, Reykjavik est la capitale et la plus grande.
Pas facile, pas facile, pas facile. Question 15. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Ça, c'est pour tous les penteurs de Japon. Hein, allez, la monnaie utilisée au Japon, c'est quoi? La monnaie utilisée au Japon, c'est quoi? Mystère. Alors, la réponse est le yen. Le yen est la monnaie officielle du Japon et est représentée par le symbole. Bah là, je peux pas vous dire, mais Y avec. Avec deux barres. Y barré, quoi. Allez. On s'approche de la fin. Courage à vous, c'est pas facile. Peut-être que vous avez 0 sur 20. Peut-être que vous avez 4 sur 20. Peut-être que vous avez 7 sur 20. C'est pas grave, c'est très dur. Déjà, franchement, si vous arrivez à avoir au moins la moyenne, félicitations, c'est très bien. Réponse, question 16. Quel est le nom de l'organe responsable de la production d'insuline dans le corps humain? Allez, là, franchement, je compte sur vous, vous pouvez le faire, c'est un point facile, là, c'est un point easy money, comme on dit, dans le jargon médical. Non, pas du tout. Allez, allez, quel est le nom de l'organe responsable de la production d'insuline dans le corps humain? Pour les diabétiques, les gars, c'est pour vous. Petite dédicace à vous. Non, je rigole. Alors, la réponse est le pancréas. Le pancréas. Le pancréas. Le pancréas. C'est l'organe qui produit de l'insuline, un hormone essentiel pour réguler le taux de sucre dans le sang. Eh oui. Allez, on continue. On continue, allez. Encore. Trois questions. Allez, allez. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Quelle est la langue la plus parlée au monde? Alors, il peut y avoir deux réponses. Allez, deux réponses possibles. Alors, la réponse, c'est le mandarin. Si vous m'avez cité l'anglais, c'est bon. Réponse, question 18. Allez, encore deux questions. Quel est le plus grand pays du monde par superficie? Allez, question facile. On espère pour vous que vous allez avoir au moins un point. Allez. Quel est le plus grand pays du monde par superficie? Réponse, la Russie, bien sûr. La Russie, le plus grand pays du monde, couvrant environ 17 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est énorme. Question 19. Quel mouvement artistique est associé à des artistes comme Van Gogh, Monet? Ça, c'est pour les ceux qui aiment tout ce qui est art. Quel est le mouvement artistique associé à des artistes comme Van Gogh ou Monet? La réponse est la suivante. L'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement artistique qui a émergé à la fin du 19e siècle, mettant l'accent sur la lumière et la couleur. Et là, c'est très grave puisque on va. Allez, courage, on est sur la dernière question. Quel pays est connu par sa tradition de la fête de la bière, appelée Oktoberfest? Ah, c'est plutôt simple. Quel pays est connu pour sa tradition de la fête de la bière? Allez, pour la dernière, il vous faut ce point. La réponse est l'Allemagne. C'est une fête qui se déroule à Munich. Mes amis, j'attends avec impatience, vraiment, vos notes. J'espère que vous avez pu avoir plus de 12. Ce serait cool. Allez. Si vous avez au moins 12 ou 13, franchement, grand respect, incroyable. Si vous avez moins de 5, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez moins de 2, 3 ou 4, là, faudra commencer à se poser des questions très sincères.
Voilà mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo quiz vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir. Et voilà.